plus d'un million. Non, parce qu'à la table voisinablement, j'ai fait un petit banco de 120 000 francs que j'ai perdu. Mais alors vous ne gagnez plus que 880 000 francs. Non, parce qu'à une autre table en allant, j'ai racheté une main de 60 000 francs qui a passé deux fois. Vous avez une robe, elle a une robe ravissante. Allô? On demande monsieur au téléphone. Ah, non, pas monsieur, monsieur Lee. Qui est-ce qui me demande? Le chef de cabinet, monsieur Lee. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'y vais. Moi, je le sais ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Si, il y a une heure. Alors, Félix. Alors, Félix, il n'est plus ministre. Félix, Félix. Bon. J'ai l'impression que Casino, à l'instant, je ne voulais pas le lui dire. Je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le lui apprenne ravissant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, au travail. Je crois qu'il raconte autre chose ou je crois qu'il dit la vérité. Bon, allons-y. Tu sais que provisoirement, la France est en République. Oui. Bon, eh bien, le gouvernement actuel de la République vient de faire une chute grave. En d'autres termes, le cabinet est démissionnaire. Oh! Oui. Mais alors, monsieur Montignac. Sur le palais, voulez-vous permettre, madame, de vous demander dans quel but? Vous êtes si adorablement jolie ce soir. Aurait-il une veine, ce Montignac? C'est à vous, tous ces yeux-là. Ça vous embête que je vous fasse des compliments? Tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Est-ce que madame prendra le café ici? Oh oui, n'est-ce pas? Pourvu que nous le prenions ensemble. Oh oh! Quoi donc? Vous avez vu l'œil de votre maître d'hôtel? Oh oh, mais dites donc, il veille sur vous, cet homme-là. Je ne sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais... Méfiez-vous-en, il a l'air furieux des compliments que je vous adressais. En voilà une idée. Ce qui ne m'empêchera pas de vous répéter que jamais je ne vous ai vu aussi ravissante que ce soir.